Alors, le Kobudo est un art martial ancien qui est originaire d'Okinawa. Okinawa est l'île principale d'un archipel qui s'appelle les Ryukyu et qui est situé à mi-chemin entre la Chine et le Japon. De par sa situation géographique privilégiée, très tôt, les habitants d'Okinawa ont eu des contacts avec les Chinois, des contacts dus au commerce. Les habitants d'Okinawa sont des pêcheurs essentiellement et des agriculteurs, ce ne sont pas des guerriers. Au contact des Chinois, ils ont appris un art de combat qui utilisait les pieds et les poings, une sorte de boxe. Et au début du XVIIe siècle, lorsque les Japonais ont envahi l'île, ont pris possession, ils ont interdit aux habitants le port des armes. Ces habitants qui pratiquaient donc déjà cette boxe d'Okinawa ont rajouté ces instruments qui servaient à la vie de tous les jours pour en faire des moyens de défense. Vous avez l'outil de base qui est le bâton, qu'on retrouve un petit peu partout. Ici, vous avez la rame du pêcheur, les faucilles qui servaient à couper le fourrage, les tonfas qui étaient utilisés comme manches de meule pour mettre les marmites dans le feu. Alors, les Japonais qui pratiquaient donc tous ces arts martiaux ont émigré en partie aux États-Unis. Et ils l'utilisent actuellement dans la police. Alors oui, certaines polices ont adapté cet outil pour en faire des moyens de défense. Comment avez-vous découvert le tonfa? En 1986, lors d'un voyage aux États-Unis, j'ai visité l'académie de police et j'ai donc découvert le tonfa là-bas. J'ai trouvé cet outil intéressant et j'ai imaginé toutes les choses que l'on pouvait faire avec. Donc j'ai travaillé un petit peu avec les gens de là-bas. Et j'ai rencontré un grand professeur qui s'appelle Dan Inocento, qui était l'ami de Bruce Lee, et qui pratique des techniques de bâton, de kali philippin, de jet kundo, des choses qui sont très très intéressantes. Ensuite j'ai eu la joie de faire la connaissance de maître Lee Kuan Yew. Et comme en même temps je faisais une étude sur le tonfa, j'ai adapté les techniques de chez eux pour le tonfa. En recherchant toujours l'aspect défense, hein, l'aspect défense est non violente, c'est-à-dire se mettre à l'abri sans pour autant nuire à l'autre. Et le tonfa, grâce à ses techniques de déplacement, de placement de bras, de placement de tête, permet de bloquer la personne sans l'handicaper. Ça fait 25 ans que je pratique la boxe française. J'étais 6 fois champion de France, j'étais champion d'Europe en 1984. Toute ma carrière était basée là-dessus. Approchez. Le tonfa mesure 60 cm, il est composé de plusieurs parties. Vous avez le corps, donc c'est la plus grande partie. Vous avez le talon, vous avez la pointe, vous avez la poignée et vous avez la tête de poignée. Il faut savoir que toutes ces parties peuvent frapper. Ce qui concerne le maintien du tonfa dans la main, il est très important de bien caler la poignée sur la main et d'actionner avec le poignet une cassure de façon à ce que le corps du tonfa soit bien solidaire de l'avant-bras, de façon à pouvoir bloquer les chocs importants à moindre mal. Automatiquement, si le tonfa est écarté du bras, c'est comme un fusil qui est mal épaulé, le choc arrive dans le bras. Très important également, le maintien au-dessus de la tête, qui se fait sous forme de toit, lorsque l'attaque vient d'en haut, avec la tête de poignet légèrement décalée, de façon à ne pas prendre la tête de poignet sur le visage. Et la forme de toit aussi qui se fait sur les attaques qui viennent du bas, bien sûr. À angle droit pour les attaques qui viennent sur un plan latéral, que ce soit à gauche ou à droite, avec renfort possible de la main gauche au niveau du talon. Toujours pour solidariser le corps du tonfa avec l'avant-bras. Bien, on va parler des différentes attitudes de garde, c'est-à-dire vous avez les gardes qui sont passives ou actives selon la situation, et vous avez surtout une possibilité de garde à une main et des possibilités de garde à deux mains. Pour
Pour la position garde à deux mains, très important, c'est la pointe qui est dirigée vers l'avant. On bloque avec la main gauche pour laisser dépasser un petit bout, pas suffisamment pour qu'on puisse nous l'attraper. Et surtout, le talon est protégé par le poignet et l'avant-bras. Toujours pareil pour éviter qu'on nous le saisisse. On va parler maintenant des parades. Les parades sont la chose la plus importante au niveau du tonfa, puisque le tonfa est avant tout un instrument qui permet de se protéger et de se défendre. On parle d'un bouclier qui peut éventuellement rendre des coups, mais au départ c'est surtout un instrument pour la défense et la protection. Pour le blocage sur une attaque venant du haut, je présente le tonfa comme un toit incliné vers l'extérieur, avec renfort de la main gauche ouverte pour éviter un choc important. Là, il s'agit notamment d'un bâton lourd. Ouais. Top. Donc pour l'attaque venant du bas, on parlera cette fois d'un toit inversé, donc avec la pointe vers le bas, okay, la pointe du toit, je parle, et toujours un plan incliné pour évacuer par exemple un coup de pied vers l'extérieur, toujours la main ouverte. Sur une attaque venant sur un plan latéral, on va bien dégager le corps pour se protéger derrière ce bâton. On va présenter le bâton cette fois sur un angle droit, toujours avec renfort de la main gauche, et toujours bien solidariser le bras avec le bâton. S'il s'agit d'une attaque venant de la droite, ce sera la même méthode, toujours avec pivot sur les jambes et pivot du corps, très important. Donc lorsqu'il s'agit d'une attaque en piqué droit, le mouvement sera sensiblement le même que pour une attaque venant du bas, mais avec en plus un mouvement de chassé vers l'extérieur et un mouvement d'esquive plus important au niveau du corps. La main gauche ne servant plus à rien. Le talon vient frapper au niveau de l'estomac, le bras est bien solidarisé avec l'avant-bras et il y a un renfort avec le bras gauche au niveau du coude pour bien gainer le tonfa, pour éviter que le tonfa ne vrille. Frappe avec la pointe. La frappe se situe toujours au même niveau et cette fois un renfort donc toujours avec le bras gauche au niveau de la pointe pour toujours solidariser le tonfa. Frappe avec le corps. Donc un mouvement de coup de poing marteau. On peut frapper au niveau des clavicules, on peut frapper au niveau des bras, sur le côté gauche ou sur le côté droit. Donc un travail d'extension du bras.
rotation. Donc là, il y a un relâchement au niveau de la poignée, de façon à ce que le tonfa puisse pivoter. Et on affermit la main à l'arrivée, de façon à pouvoir frapper. On peut le faire sur le côté gauche ou sur le côté droit, de la même façon. La main libre reste en protection au niveau du visage. Pour les frappes verticales, donc cette fois c'est la position de la main qui diffère et on vient frapper de la même façon au niveau des clavicules ou au niveau d'un bras tendu, plié, et la même position mais frappe vers le bas. Frappe avec la tête de poignet. Donc, même position, mais cette fois on vient frapper sur un plan latéral et c'est la tête de poignet qui vient frapper au niveau des bras, au niveau des côtes. Sur le plan gauche et sur le plan droit. Et enfin, les frappes sur attaque venant de l'arrière. Où cette fois, il s'agit toujours sur la première attaque d'un coup de poing marteau, mais porté niveau bas-ventre. Ou un coup porté avec la pointe. Même technique que pour un coup de coude. On vient frapper toujours au niveau de l'estomac. Nous allons parler des parades sur attaque bâton. Il y a les attaques de bâton léger, les attaques de bâton lourd. Il est évident que sur attaque bâton léger, on va travailler d'une façon beaucoup plus dynamique et presque sur place. Sur attaque bâton lourd, on va être obligé de sortir du champ et l'attaque étant plus lente, on aura le temps pour ça. Sur attaque venant du haut, blocage, forme de toit, toujours le tonfa bien solidaire avec l'avant-bras, la main gauche en renfort. À partir de ce moment, il y aura un mouvement circulaire pour chasser le bâton vers l'extérieur. Il y a également un contrôle de ma main gauche. Deuxième temps, je vais venir frapper la main armée pour faire lâcher le bâton. Attaque circulaire gauche. Blocage. Le tonfa est bien à angle droit, toujours renfort avec la main gauche. Contrôle du bâton ou contrôle de la main. Frappe sur la main armée pour faire lâcher le bâton. Attaque latérale droite. Blocage, toujours angle droit. Contrôle de la main. Frappe de la main armée. Et enfin, attaque en piqué. Je vais à l'avant du cou pour chasser le cou vers l'extérieur. Contrôle de la main armée. Frappe sur la main armée. Piqué haut, chasse à l'extérieur, contrôle, frappe, ou chasse de nouveau vers l'extérieur, contact, frappe.
Donc cette fois, toujours le tonfa tenu à deux mains, j'ai décidé de tenir mon partenaire à distance. C'est important sur les coups de poing, mais c'est surtout important sur les armes blanches. C'est-à-dire que je vais adopter une garde totalement différente. Je vais inverser mes appuis. Ma main gauche va venir en renfort sous le talon du tonfa, avec emprise sur la main droite. Et là, toujours là, ma pointe va diriger vers le haut et je vais bloquer de haut en bas. Je vais bloquer latéralement. Je vais bloquer extérieurement. Et je peux même frapper de bas en haut. Très important, à chaque frappe, pour reprendre ma distance, un pas de retrait. Frappe, un pas de retrait. Maintenant, nous allons voir donc le dégagement sur saisie, c'est-à-dire que le partenaire a réussi à vous saisir et il faut le faire lâcher. Alors, le même principe toujours, c'est qu'à partir du moment où il y a saisie, il a la possibilité d'enchaîner un deuxième coup, un coup de poing, voire un coup de tête. Donc tout de suite, la garde haute, blocage de la main qui saisit, atemi, frappe de la main qui a saisi pour dégager. Très important, donc blocage, atemi, frappe de la main, quelle que soit la saisie. Il y a des saisies un petit peu différentes, à savoir la saisie du bâton que l'on va voir et la saisie au niveau des mains qui est un petit peu différente. Saisie, à partir du moment où il y a saisie, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait un autre coup qui arrive, voire un coup de tête. Donc tout de suite, on tient à distance. On tient à distance avec un atemi au corps. D'accord ? Ensuite, on va enchaîner, frappe, remettre en garde. Donc si la saisie se fait de l'autre main, même problème, le problème peut arriver de l'autre côté. Donc toujours contrôle, frappe, frappe pour dégager. Et je dégagerai toujours dans son dos bien sûr, j'éviterai de revenir devant sur le bras libre, très important. Maintenant, si la saisie se fait à deux mains, on pourra partir indifféremment suite à l'atemi, indifféremment on pourra partir à droite ou à gauche. Très important, c'est le contrôle avec la main gauche en haut. Hein. Donc je recommence, saisie, contrôle, frappe, frappe. Donc saisie de la manche, saisie du poignet, saisie de la main. Tout de suite, pensez une chose très importante, ce point dangereux, donc sortie extérieure, en enroulant la main. Frappe sur l'avant-bras et on sort. On fait. Donc pareil, danger, donc là on sort. On ne cherche pas à donner l'anatémie, on donne l'anatémie après. Bien,
sur l'autre bras. Donc cette fois, c'est le bras armé du tonfa. Enroulement, pareil. Possibilité par contre, là, cette fois, d'atémie. Je sors, je fais lâcher, je frappe. Enroulement très important au niveau de la main, quelle qu'elle soit, pour surpasser. Saisis le tonfa, saisis le tonfa. Saisis le tonfa. Très important, je replace mon bâton dans l'axe. À partir de ce moment, je vais travailler sur un point douloureux pour l'obliger à lâcher. Possibilité d'atémie. L'autre main, de la même façon, mais je vais toujours sortir donc en extérieur. Première chose importante, le bâton dans l'axe. Je descends le bâton vers le bas. Possibilité de frappe pour pas qu'il enchaîne. Toujours penser à cet axe. À partir du moment où je descends sur cet axe, même s'il saisit d'une façon puissante, il sera contraint de lâcher au bout d'un moment. Alors, possibilité bien sûr d'atémie avant, possibilité d'atémie après. Il s'agit des deux mains. Peu importe le côté, si ça résiste d'un côté, je peux repartir de l'autre. Toujours pareil, c'est un mouvement de balancier vers le bas. Pour revenir ensuite. Donc, sur une attaque de coup de poing, qu'elle soit du bras droit ou du bras gauche, je vais venir tout de suite adopter une attitude de garde, les bras relativement hauts, et je vais venir interposer le tonfa entre le poing de mon adversaire et mon visage, de façon à bien bloquer immédiatement. Normalement, un seul coup suffira. On peut éventuellement venir frapper à l'intérieur du cou, ou voir à l'extérieur du cou. Ceci pour un direct. Autre possibilité, chasser le point qui vient pour bloquer avec le coude. Maintenant, lorsque le mouvement est circulaire, cette fois il est important toujours d'adopter une bonne garde, de monter cette main gauche, et on va toujours essayer quand même de bloquer d'abord avec le tonfa, de façon à ce qu'il ait mal tout de suite, que ce soit à gauche ou à droite. Donc son partenaire qui adopte une attitude de garde, de boxe, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais me mettre en attitude de boxe. Et là, sur une attaque de poing quelle qu'elle soit, je vais venir interposer le tonfa sur le poing qui frappe, bien sûr. Et après, je vais sortir du champ pour ne pas prendre, évidemment, le deuxième coup. Donc, blocage avec le tonfa de façon directe ou blocage avec le tonfa en parade chassée. Une autre possibilité, c'est de venir éventuellement chasser cette main pour venir frapper cette fois avec le tonfa, mais surtout au niveau du coude, en contre. On en fait un. Maintenant, si les coups sont plus circulaires, évidemment, je vais me protéger toujours possibilité avec cette main gauche de ce côté, mais essayer de venir frapper avec le tonfa en premier, toujours. Venir heurter le bras qui vient frapper. De l'autre côté, ce sera pareil. Mais toujours prendre en garde à l'autre bras, c'est-à-dire je reste en garde de boxe. Éventuellement, je peux me servir de ma main libre. Je peux aussi, bien sûr, me servir du bras armé du tonfa, mais uniquement pour des frappes au niveau du corps.
sur les attaques de poing, avec cette fois le tonfa tenu à deux mains. Même garde, bien fermé. Et sur les coups de poing qui arrivent, je vais bloquer, toujours interposer, toujours le tonfa qui va venir. Sur les coups circulaires, de la même façon, travailler en extérieur. Je peux également donner des coups de poing. Donc, attitude de garde à deux mains. Le poing arrive, esquive latérale et en même temps, blocage avec le tonfa. D'accord ? Là, je pourrais très bien encore enchaîner avec le tonfa. Je reviens, le gauche arrive, même façon. On part, on crochet. Un. Deux. Direct. Un. Deux. Donc toujours sur attaque-point, mais cette fois j'ai décidé de tenir mon adversaire à distance. On va adopter une garde différente, c'est-à-dire qu'on va changer les appuis. On va passer de profil, on va présenter la pointe du tonfa vers l'avant et vers le haut. Je vais renforcer au niveau de mon talon avec la main gauche pour bien tenir mon tonfa d'une façon ferme. Et sur toutes les attaques de poing, je vais venir frapper, soit de haut en bas, soit latéralement, soit des frappes extérieures. Je peux également frapper de bas en haut. Mais toujours ramener ce tonfa dans cette position. À chaque attaque de mon partenaire, je vais reculer. Changer de garde pour grandir mon bras avec la pointe en avant. Sur chaque attaque, je vais essayer de venir frapper le bras qui vient. Et soit d'une façon directe, soit latéralement d'un côté, soit latéralement de l'autre, soit encore en dessous. La pointe de mon tonfa sera toujours dirigée sur la tête de mon partenaire, de façon à pouvoir toujours frapper dans tous les sens. Et à chaque fois, un petit retrait de ma part. Alors sur attaque coup de pied, donc, selon la position de départ, la position initiale, c'est-à-dire soit tonfa une main, soit tonfa deux mains, on agit en conséquence, c'est-à-dire que tonfa tenu une main, je vais venir bloquer les frappes de façon sèche, c'est-à-dire que c'est un blocage, mais c'est aussi une frappe que l'on porte sur la jambe qui attaque. Que ce soit de bas en haut, que ce soit latéral, ou que ce soit même un coup frontal, on va venir frapper dessus.
Si mon tonfa est tenu à deux mains, ce sera la même chose, c'est-à-dire que je vais venir bloquer, toujours rapidement, c'est-à-dire revenir en garde rapidement, bloquer latéral, bloquer latéral. Maintenant, si j'ai vu l'adversaire partir, je peux mettre en position avec une certaine distance de sécurité, et là, pareil, je vais venir frapper, je vais venir frapper sur cette jambe qui attaque, à chaque fois, bien sûr, en prenant garde des mains et en me remettant à distance de sécurité. S'il est tenu une main, eh bien on bloque directement. Attaque venant du bas, toujours le tonfa incliné, de façon à frapper et à mettre l'adversaire à l'extérieur. Si le coup arrive latéralement, blocage avec possibilité bien sûr de saisie. L'autre jambe, blocage avec possibilité de saisie. Très important de se méfier quand même du haut, c'est-à-dire que la main libre sert aussi à se protéger d'éventuels coups de poing. Mon tonfa est tenu à deux mains, le même principe, sur coup de pied, toujours évacuer en extérieur, avec possibilité d'enchaînement. Latéral, toujours blocage. Latéral, toujours blocage. Maintenant, si j'ai adopté la technique de mise à distance de sécurité, donc même principe, je vais venir frapper toujours mon tonfa incliné, mais je vais venir frapper cette jambe. Je vais venir à l'encontre de la jambe qui arrive de l'autre côté et de l'autre côté. Toujours en frappe sur le tibia. On va voir maintenant les différentes façons d'amener. Toujours face à un individu ou un récalcitrant relativement dangereux, on va, par ces méthodes d'amener et par certaines contraintes douloureuses, l'amener à vous suivre ou l'amener à ne plus bouger sans occasionner de blessure. Clé de bras tendu. Saisie de la main gauche. Contrôle avec le tonfa au niveau du coude. Amené au sol. J'engage la poignée sous le bras gauche. Contrôle du poignet avec ma main gauche. J'effectue un mouvement de levier avec la pointe du tonfa amenée au sol. J'engage la poignée du tonfa sous le bras droit de mon partenaire. J'applique la tête de poignet dans son dos et je contrôle la tête. J'engage la pointe du tonfa sous le menton. J'applique le corps du tonfa sur l'épaule. J'effectue un mouvement de levier en contrôlant la pointe avec ma main libre. Attention, ce n'est pas un étranglement. Ok, façon d'amener un récalcitrant passif. J'engage la pointe du tonfa sous le bras, avec la poignée juste sous l'aisselle. J'engage le bras gauche sur le tonfa. La main glisse, repasse sous la main droite. Je monte et j'accroche le talon. La douleur s'effectue grâce au tonfa au niveau de l'avant-bras.